Bonsoir tout le monde, c'est Zaklin avec Tritrix. Yo! Sur une vidéo de Smite, une nouvelle fois du Smite, épisode 4. Et donc, Moi c'est plus que mon épisode 4, moi c'est ça va être mon épisode 5. Ah voilà, bah, épisode 4 et 5, voilà. Voilà, moi juste pour les gens, je vous prépare présentement une série de vidéos sur Smite, vraiment du Smite, il y en a à tonne qui arrive. Ça le fait kiffer. Oh oui, oh, excuse-moi de te couper, mais tu vois les carrés avec les chiffres romains? Ah, c'est ça. Ok, voilà. Fait qu'en bas, Chronos, il rend 3 quand même. Oui, quand même, il gère le Chronos. Ok, voilà. C'est pour moi. Ok, en fait, j'essaie encore un peu de me familiariser avec le jeu. Mais j'ai décidé, aujourd'hui, en fait, la vidéo va être pour vous présenter mon personnage qui s'appelle Apunch. Et ouais. Celui que j'ai après. Bastet. Ouais, ben après je vois oui, je vais faire une autre vidéo par après ou que je vais vous présenter Bastet, mais oh, ça c'est une autre vidéo, je pensais que tu faisais les deux dans la même. Oh. Ah ben je peux faire les deux dans la même. Hein. Oh non, mais moi je dis ça, je dis rien, hein. Ça me revient pas. Bref, aujourd'hui, on est juste avant pour une vidéo où que je vais vous présenter Apunch, il va y avoir une autre vidéo, en tout cas pour moi, où que je vais vous présenter Bastet et deux autres vidéos aussi que je vais vous réserver la surprise, Allez, la surprise. Mais j'ai deux autres vidéos qui arrivent aussi sur Smite, sachant que j'en ai déjà deux de prêtes. Oui, 10 Smite, vous en avez à Google en ce moment, voilà. Voilà. Bon, est-ce que tu vois qu'est-ce que je fais? Ah, je suis même pas dans le game encore. Ah bah, moi on va te taper les fesses avec mon fouet. Ah merde, le jeu plante. Ah non, c'est bon. Non, ça arrive. Au début de la partie, ça lag souvent, le temps que tout le monde se connecte en fait. Mmh. Voilà, je suis. Allez, ça. Bon, bouge pas. On est parti. Attends, bouge pas. Ah oui, bah savoir que Zakane, quand il joue Bastet, voilà. Oh, allez, voilà. les 50 nuances des dieux. Oh my god, t'as osé. J'ai osé, les 50 nuances des dieux. Allez, c'est le nom de mon épisode. Ah oh, bah voilà. C'est le nez politier. Voilà. Voilà. Donc, Apunch, je vais vous montrer ça un peu. C'est la façon qu'il marche. Je dis pas que je vais le genre à la perfection, mais je le genre quand même. Une chance. J'ai choisi de vous présenter seulement l'édition en rotation que je gérais quand même un minimum bien. Ouais, vous allez voir ça. Moi, je leur ai sauté dessus juste pour mal leur parler. Bon, on fait toujours ça, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on meurt toujours au début. Oh, par contre, il y a elle qui s'en vient sur moi qui a pas l'air de m'aimer. Mais non, elle a peur, elle. Go. Go, je t'agvale, le gars. Hop. Oh. J'entends un chat. Oh, oui, c'est moi. C'est Bastet. Oh. Bon, allez, moi, je m'en vais. Il faut qu'on le... Ah, j'ai plus de vie. Oh là là, oh j'ai plus de... Oh, tu viens de traiter quelqu'un de boss de bâtard. Ah oui? Ah oui, t'as dit die you bastard. Est-ce que mon jeu il est fort par contre? Bon, moi j'assume que c'est correct, j'ai pas fait de test de son, mais non, j'ai pas touché depuis donc... Ouais, moi aussi. Allez, déjà un kill? Ça part mal pour nous. J'ai vraiment que ça part très mal pour nous. Ah, mais le volet! Je l'assiste. Hop! Allez, moi je cut mon ult. Déjà? Bah oui, mais c'est pas que j'avoue que l'autre pourrait faire un kill. Voilà. Merde, j'ai claqué dans le vide. GG. GG, je suis fier de moi. De moi, tu veux dire? Quoi? Parce que moi j'ai fait un kill, mais pas toi. Voilà. Donc, moi je l'ai lancé dans le vide carrément. Voilà. Ah, pas une clarifierette comment? Parce que toi aussi, si je l'ai joué. C'est dommage. Un mage distance. Mais c'est niveau d'attaque, il est pas vraiment ciblé. Non, pas du tout, c'est un mage d'attaque. Tu regarderas à la fin de la vidéo juste pour confirmer, ouais. Mais c'est un mage d'attaque. Moi je l'aime bien. Moi je l'ai pas vraiment aimé quand que je l'ai joué. Hop. Oh mais je genre aujourd'hui, hein. Ouais. Bah ça. Oui, on gagne. Non, ça fait changement. Ça part. Oui, fait changement de vidéo. En fait, on gagne très souvent. Non, en fait, non, on a arrêté de gagner. En fait, pendant. Non, c'est vrai. Avant, on gagnait toutes. Oh merde. Avant, on gagnait toutes nos parties. Puis, je sais pas, depuis quelques temps, on part tout ce qu'on fait. Ouais, mais non, aujourd'hui, on s'est rattrapé en fait. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on a fait quelques games tantôt avant de tourner. Oui. On a géré. Oui. Non, ça va. Je crois qu'on va reprendre du poil de la bête. Du poil de la bête. Le poil de la bête. Par contre, c'est un épisode un peu spécial, on se clash pas encore. C'est vrai, hein? Allez, ah merde, ah merde, ah non. Merde! Moi, j'ai. Voilà. Quoi? Je suis mort. Je refuse. Je dis non. J'ai claqué mon une pour protéger un allié. Est-ce que ça va dans ce temps-là?
Oui, J'ai protégé le Lucky. Ah bah ça va, c'est Lucky. Si Ah bah, c'est si Lucky. c'est le Lucky. Hop, hop. Regarde, regarde-moi, je suis un dauphin. Ah là là, le Ah là. recyclage de blagues. Oui, mais pour eux, c'est pas du recyclage, donc Comme ça. voilà. Allez, on la viole, allez. Voilà. Encore volé. Ça va, Non, j'ai je pas de t'allais kill, pas voler, mais. j'ai calé mon ultra pot, donc ça va, hein. J'ai 3 assists par contre. Moi j'ai 2 Oh, kills, bien un la mort, partie. un assist. Bah oui, on gagne. Bah oui. Bah C'est oui. une évidence. Tu pensais quoi, allez, attends. Si je joue avec quelqu'un, ça gagne. Attends, tu pensais quoi? Bien sûr, voilà. Avec ce personnage légendaire. Oh shit! Je vais aller me rechercher de la mana, moi. Oh, moi aussi, mais en fait, c'est juste parce que je choque les ennemis. Oups. Attends, moi aussi, je vais le faire avec toi. Ah bah voilà, mais moi je pars avant. Mais j'attends. Oh! En fait, moi, je fais une incantation. Bah t'es un chaman, du coup ça fait du sens. Hi! Bah quoi? Tu vois, on dirait que ses cheveux, c'est des bananes. C'est Ben des plumes du con. Est-ce que tu as vu mes cheveux de banane? moi, je veux une banane! Moi, je viens dans un pays où on mange toujours les Oh non, bananes! ta gueule, non, non, non. Je ne cautionne pas cette blague, je ne cautionne pas cette blague. Vas-y, les gens savent que je suis pas raciste, c'est pour les lol. Oui, mais moi je la cautionne tout de même pas. Hein. Hey, lui là-bas. Je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté black. Ça fait du sens. Non, mais pour moi, dire black, c'est pas raciste pour moi. Si tu veux mon avis, ça l'est pas. Je sais pas toi, mais c'est comme, mettons, comment est-ce que les noirs nous appellent, d'une manière entre parenthèses raciste, c'est blanc-bec? Je sais pas, mais ça dépend toujours de la façon que tu dis tout. Ouh non mais. Hey, mais gros! Ça sonne plus raciste! Non ben là, oui tout de suite. Hein. Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais qu'on m'explique. Moi, je vais t'expliquer ça. Tu sais, les personnes de race noires entre eux. Ils Oui, ils vont s'appellent. s'appeler des groupes. Ouais. Mais aussitôt qu'un blanc, ou peu importe l'identité de la personne, tant que c'est pas noir, ça va être mal perçu. Ben, je suis capable de comprendre pourquoi. Ouais, c'est une affaire de rage, je pense. Entre les noirs, ils ont le droit de s'insulter sur leur couleur. Oui, puis c'est le genre de truc que je suis capable de comprendre, de cautionner et tout. Mais. Puis, parce que je comprends aussi toute l'histoire qu'il y a derrière le mot, tu sais. Ouais. C'est une notion insultante et tout, et complètement insultante, qui ne désigne pas. Ben, qui désigne un esclave, déjà, un esclave noir. Mais je comprends pas, en fait, le fait que eux-mêmes, entre eux, ils s'appellent comme ça et que ça soit politiquement correct, en fait. C'est probablement en fait parce que, concernant l'histoire justement, que sachant que ben, la même c'est la même race, ils l'ont vécu, du coup de s'appeler comme ça, c'est pas nécessairement une insulte, c'est juste. Ouais, j'adore, mais. Ah, oh, j'avoue que c'est ouais, c'est étrange. Mais tout le monde. Non, mais. Non, c'est même pas En fait, étrange, c'est c'est un peu comme les culturel. Chinois, si toutes les Chinois se disaient un truc qui avait une petite bite, mais du moment où ils se faisaient dire que t'as une petite bite parce que t'as un Chinois, ils prenaient mal. Le mec qui sort les gros stéréotypes tout de suite. Non, mais c'est totalement ça. Ben. Non, c'est un stéréotype. C'est pas ça. Ben. Ben. J'ai jamais regardé. Ben, moi, personnellement, je sais pas qu'est-ce que tu regardes sur Internet, mais j'ai jamais tapé pénis asiatique sur Internet. C'est qu'elle bite. Ben, bête asiatique. Voilà. Non, mais. On a l'air de deux bâtards, en fait. C'est tellement ça. Mais. Non, Mais mais non. moi, j'essaye de m'exprimer, pis tout, pis Dieu sait que je suis pas raciste, que j'ai rien contre les races. Je sais, mais appelle-moi par Patrick, s'il te plaît. Dieu, je veux dire, ça va. Oh, sans le découragement. Bah ben, moi les personnes qui exagèrent, moi ça m'exaspère un peu. T'es rien de plus qu'une sous-merde. Je vais mourir. Que tu dis je veux mourir? Non, jamais. Ok. Moi je veux que tu meurs. Elle me poursuit. Oh. Oh. Ah oui, je l'ai vu te tuer.
Au Ah loin. ben bravo, merci de m'avoir aidé. Ben, je suis de l'autre côté de la map. Non, je t'avoue que pour le coup, j'ai un kill, mais en fait, je me fais tout voler mes kills. Ça fait que j'ai comme plein d'assists. Ben, j'ai 4 assists, mais c'est supposé, là-dessus, il y en a genre 3 que c'est mes kills. Moi, j'ai 2 kills, une mort, un assist, donc ça va, ça joue pas trop mal. Il y a moyen de la tuer, hein. Lui, je fais le moins. Voilà. Voilà. Par contre, elle, j'ai décidé qu'elle allait mourir. Laquelle? Ok, Ah voilà. bah, avec vers sa base avant. Oh. Ah, il y a une bouboule. Oui, je l'ai vu, la bouboule. Par contre, nous, à notre prochain kill, c'est nous qui avons une bouboule. Ouais, je sais. Parce que Tritrix, en fait, a regardé les stats du jeu. Non, j'ai regardé en fait les règlements du mode de jeu de la reine. Parce qu'en fait, on se demandait la bouboule faisait enlever combien de tickets. Merde. En fait, on se posait des questions simplement sur la reine. Voilà. Fait que j'étais allé lire les règlements de la reine. Je me suis rendu compte qu'en fait, je joue tout le temps dans la reine, mais il y a plein de choses que je savais pas. Oui, mais on s'en fout, en même temps, ça vaut des points, tu sais, tu te bats et puis c'est tout. Ouais. C'est Tant quand qu'à même bon de moi. savoir que si on part de 15, ben on peut se rattraper avec une boule. Oui. Ben maintenant, on le sait. Voilà, parce que nous sommes des enfants très. Quoi? Je me suis perdu là. Oh oui, tu t'es perdu dans ta phrase. Ah ouais, dans ma tête aussi. L'habitude, tout ça. De fuir la réalité. T'as eu une enfance triste, hein, Tritrix? Mais évidemment. N'hésitez pas à me faire des dons. L'espèce de gros bâtard. Oh merde, j'ai pas utilisé ma bonne Oh, je attaque. l'ai presque tué! Je suis fâché! Non, mais je suis Oh bon. mais Nate me dégoûte. Pourquoi? Elle sait pas jouer, là? Ben, elle me pique toutes mes kills. On perd! On gagnait pas? Oh non, on gagne, je suis con. Oui, on gagne de loin, de 60. Ouais, bon, de loin, hein. 60, ça se rattrape vite, on a vu ça tantôt. Non, c'était de 20 l'avance qu'il y avait, ça va. Hey, salut! Salut. Ça va? T'as payé, toi? Ben ouais, viens te coller que je te vois de proche. Wouah, t'as des yeux bleus, bleus, bleus. Ah oui? Oh, Attends, tes je vais te... boobs! Oh! Ça, c'est du fan service, hein? Du fan service pour la télévision. Eh ouais, parce que Ouais. sur ma chaîne, on offre aussi du. Bon, bref. Nous là, c'est quand qu'on commence à tourner ça, Beyond the Wall? Toi, tu parles de même, de en vidéo comme ça, relax. Ouais, pif paf. Pif paf. Pif paf, pas de préliminaire. Bientôt. Bientôt, mais c'est parce que moi, j'ai honte. Oh! Oh, la saison. Non, pas la saison 2, Oh j'ai là! dû. C'est la saison 1, les mecs, la saison 1. Saison 1, moi aussi je portais à dire saison 2 à cause qu'on avait fait la saison 0. Ouais. Saison 1, il va tellement être trop bien. Oh oui. Alors là, je dis oui. Ah merde. Par contre, je me suis fait niquer de tous les bords. En même temps, sinon je me trouve un nouveau copain. Je me trouve un nouveau copain. Avoir un nouveau copain. Ben voilà, moi j'ai le nom de ma vidéo, toi t'as le tien. Un nouveau copain? Bah, je sais pas, mais Je peux le frapper? faut que ça soit copain. Ok, on va. Ok, c'est bon, dans mon titre, je place copain. Voilà, faut que tu places le copain. T'essaieras qu'on sente bien l'accent. L'accent belge ou je sais pas. C'est un accent en quoi ça en fait, le copain? Le copain, c'est un accent. C'est Cruxy, ça. Qui? C'est plus. Je sais plus c'est un accent quoi, mais. Ouais, pour ceux qui connaissent Diablo X9, Cruxy, et tout, le bail, quoi. Je le connais que de nom, hein, mon Diablo X9. Wouah. Ben. Quand t'as pas eu d'enfance. Non, mais je l'ai un peu Diablo X9, regardé. en vrai, c'est mon enfance sur Je YouTube. l'ai un peu regardé, mais. Pas plus qu'il faut. Le Diablo X9, fait que c'est. Okay. C'est Let's Play sur. Sur hey, Zelda Wind Waker, sur la GameCube. Son Zelda sur la Wii. Moi, tu sais, c'est qui le premier youtubeur qui m'a intéressé, mais en fait qui m'a fait découvrir vraiment YouTube et aimer ça? Qui? Naito75. Ah, ouais. Ouais. J'ai jamais beaucoup aimé lui. J'ai suivi son aspect sur Bully.
Moi, en fait, j'écoutais toutes ces vidéos, point, en fait. Naito 75, je l'ai kiffé, voilà, c'est tout. Ah, bah, moi, j'ai jamais vraiment tripé dessus. Ben, moi, ça a été le premier. Maintenant, je l'écoute plus, d'ailleurs. Ben, en fait, maintenant, j'ai beaucoup trop de vidéos à regarder pour. Ouais, ça, c'est bizarre. Ah, moi, c'est Diablo X9. Dans le temps de ses let's play, là, où c'est qu'il jouait à Call of Duty, il faisait des zombies qui duraient 2 heures de temps avec Cruxy, pis les fans. Ah, et ça, c'était le bon vieux temps. Ouais, le bon vieux temps. On n'a pas encore l'âge pour dire le bon vieux temps, je constate. Bah oui, il a arrêté les vidéos pis tout pendant un long moment. Il a arrêté de rien faire, en fait. Il faisait plus rien. Ouais. Moi, je considère que c'était le bon vieux temps. Et toi, ton YouTuber préféré, c'est... Je sais c'est qui, mais sûrement pas tes abonnés. C'est qui? Oh mon dieu. Mes abonnés, si vous connaissez pas, je vous... Vous êtes pas digne d'être mes abonnés, voilà. Mon YouTuber préféré, c'est... Monster Boboy 45. Maintenant, prononce en français pour qu'ils comprennent. C'est Boboy! C'est B-Boy, voilà, Mister B-Boy 45. Je l'aime bien, mais j'ai jamais regardé qu'un seul let's play de lui. Non! Oui, j'ai juste regardé Until Dawn. Non! Ben, en fait, non, j'ai pas fini Until Dawn. J'ai même pas fini Until Dawn, il me faisait chier sur Until Dawn. Oh, comment que tu. Non, je me trouve un nouveau copain. Mais avoue, sur Until Dawn, il ferme jamais sa gueule. Ben moi, c'est ce que je trouve drôle de lui. Ça me fait chier, moi, les youtubeurs, bien que je le fasse, ça m'emmerde. Ben, je comprends pourquoi les autres youtubeurs le font, je comprends aussi pourquoi je le fais. Mais ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il fera pas genre, oh, une cinématique, je ferme ma gueule. Au contraire, ils font genre, il y a une cinématique, c'est eux qui ferment leur gueule. Ouais, mais... Oui, je suis totalement d'accord, puis je fais ça aussi dans mes vidéos. Je dis que je parlerai pas, mais en fait, je le fais. Mais... C'est parce que dans un jeu comme ça, où est-ce que c'est cinématique, pis tout, je sais pas, j'avais l'impression de... Il y avait pas l'ambiance que je cherchais, en fait. Donc, du coup, j'ai regardé Exvesca, la cité d'Exvesca. Ok, ouais. Exvesca, je l'aime bien, lui. En fait, c'est que lui, il va... Les jeux, il va te les sortir tout en une semaine. De jeu à... Ouais. Mais il fournit, mais de ouf, Exvesca. Pis pas aussi, il y a au moins 4 vidéos semaine. Ah oh, oui. Franchement, B-Boy, ce que j'aime de lui, c'est son sens d'humour, là. En fait, je veux dire, ta blonde pourrait te laisser, pis t'écoutes une vidéo de B-Boy, tu peux pas rire. Moi, tu sais, c'est qui m'a fait. Quel youtubeur qui m'ont fait passer un moment quand même assez difficile de ma vie? Oui. Fantasio 974 et Bob Lennon. Fallait, je m'en doute. Oui, toi, tu le sais, mais pas eux. Ben, du coup, tout le monde. Tu sais. Il y a des gens. Ben. Y a quelqu'un, IRL, qu'on connaît, qui m'a dit que en fait, j'essayais de copier Bob Lennon. Genre, dans mon style de parler, de m'exprimer, de... Ce qui est complètement faux, c'est juste que ça donne que j'ai un peu le même genre de parler que lui. J'ai les mêmes expressions un peu parce que... En fait, oui, j'ai les mêmes expressions un peu parce que c'est mon YouTuber préféré, à savoir. Dont je ne fais que regarder environ ses vidéos, surtout les siennes, en fait. Du coup... C'est un peu comme écouter vos parents parler quand on était gosse. Je veux dire, tu vas prendre un petit peu leur façon de parler, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Du coup, voilà, je ne suis pas une copie de Bob Lennon, je suis Zakin, j'ai mon identité et je n'essaye pas, et jamais je n'essaierai de ressembler à Bob Lennon. Jamais. Voilà, un petit coup de gueule comme ça pendant qu'il y a personne qui a rien dit. Voilà. Non, c'est juste que je fais clarifier parce que ça m'avait fait chier de me faire dire ça, en fait. Parce que... Voilà, j'essaye pas de ressembler à Bob Lennon, mais je suis conscient que sur certains points, je peux lui ressembler. Je suis énergique, j'ai tendance à un peu surjouer les intros. Tu sais, à parler fort, à piocher un petit peu. Mais c'est moi, c'est pas Bob Lennon, c'est moi. Tritris me connaît depuis très longtemps, avant qu'on commence les vidéos, avant même que je commence à découvrir Bob Lennon. Et Tritrix peut sûrement témoigner, ben pas sûrement, peut témoigner que je n'essayerai pas et je n'ai jamais essayé de ressembler à Lennon. Non, c'est vrai. Voilà. Écoute, laisse-le parler, c'est tout ce que j'attire. Voilà. Je me fous. Oui, toi, tu t'es fait niquer ta race. Ouais.
Ouais, c'est la fin, j'ai fait un peu n'importe quoi. Non, moi, franchement, mon YouTuber que j'adore, B-Boy, franchement, avec lui, tu peux juste pas t'ennuyer, que ça soit du Minecraft, un de ses Let's Play, peu importe la vidéo. Tu vas être sûr qu'il va dire de la merde, que tu vas rire. Ouais. Un jeu d'horreur, tu vas être sûr qu'il va trouver des jokes de mauvais goût. Oh, mais oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est le seul point, en fait, que j'appréciais de ses vidéos sur Until Dawn. Mais encore là, quand je regardais Until Dawn, je cherchais plus une espèce d'immersion horrifique. Ouais, c'est clair. C'est comprenable aussi. Moi, justement, c'est ce que j'aime pas. Ceux qui se mettent dans l'ambiance, lumière fermée pis tout. Moi, j'aime mieux les styles B-Boy, oui, justement. Ouais, mais c'est lui qui disait, alors, prenez-vous un coca. Ah, il fait rire. En fait, il me fait rire. Toujours le même pattern. C'est un jeu d'horreur. Fermez les lumières, mettez votre casque, levez le son. J'avais compris après 20 épisodes. Oh, il répète ça à tous les débuts, en fait. Ah, moi, ça m'avait lancé. Moi, ce qu'il m'avait lancé, j'avoue, c'est dans son let's play sur le chalet là. Until Dawn. Ah ben ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est, il m'avait lancé, il y avait une phrase qu'il disait toujours. Ça peut partir très très vite. Oui, tout le temps. Tout le temps, aussitôt qu'il y avait le moindre son, la moindre ombre, ça peut partir très vite. Là, ça commence à me casser, ça, j'avoue. Oui, il y a un piaf qui s'est envolé. Oui, mais je l'ai vu, oui, mais... Bon, il y a un oiseau qui s'envole. Oh, ça peut partir très très vite. Voilà. Oh, 156 faveurs, une victoire. Ouais. En fait, on se le demandait. En tout cas, j'ai eu 156 pour celle-là. Ouais, moi aussi. Du coup, c'est plus rentable de jouer comme ça, en fait. Ouais, je vais vous laisser ici. Oui, vous moi aussi. Que tu continues la vidéo? Non? Ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes? Ouais. Bon, voilà, ça va être la fin de la vidéo, les gens. Voilà, bon ben pour moi aussi, si la vidéo vous a plu, si le sujet qui ressemble vous a plu, on a eu un bon petit sujet. Oui, on a parlé de plusieurs trucs en fait, c'est... Ouais, c'est cool. Mm-hmm. Si la vidéo vous a plu, moi en fait je voulais vous présenter Apunch. Ben écoute, vous avez vu un peu son mode de jeu, je voulais savoir, c'est un dégât de zone, ouais, c'est... Ouais, voilà. Un mage dégât, tout simplement. Donc prochaine vidéo, tu l'as annoncé, donc c'est pas du spoil. Ouais. Prochaine vidéo, Tritrix se fera Bastet, je ne ferai pas Apush, mais... Bastet. Elle, la femme chat que je vais jouer au prochain épisode. Oh, la femme chat en taille. Oh! Si la vidéo vous a plu, si le sujet de conversation vous a plu, ça vous a plu que Zakane soit avec moi, vous pouvez laisser masse like, masse commentaire, allez voir la chaîne de Zakane. Dislike, Zakane était là. Abonnez-vous si vous êtes déjà abonné pour manquer les vidéos. Et moi, Zakane, t'as un mot à dire? T'as tout dit, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Voilà, peace tout le monde. Allez, à plus.